Hey, je suis de retour pour plus de On se fait frapper! Pis ben, on va voir qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui. Est-ce qu'on va se faire frapper le Monster Hunter Freedom Unite? Je sais même pas si c'était ça la dernière fois que, ça avait que Google avait choisi, mais j'ai décidé que ça l'était, même si ça l'était pas. On va tout prendre. Non, Google, je sais que j'ai mentionné ton nom, mais s'il te plaît, ne me parle pas. J'ai comme l'impression que j'oublie quelque chose en ce moment. Et savez-vous quoi? Ça n'a pas d'importance. Peut-être que je devrais prendre un breuvage chaud comme ça, le caler. C'est un breuvage... Ben c'est ça, c'est un breuvage chaud, ok. Excusez-moi, mon cerveau n'est pas totalement là. Ah, tu sais, ça vaut quoi? On va en prendre deux encore. Juste parce que c'est évidemment... Si, je reviendrai certainement pas ici, d'une manière ou d'une autre. Bref. Donc, un diadrome qu'il faut faire sans se faire toucher. Genre, comment que mon bouton R n'a pas voulu fonctionner là-dessus, mais ça, c'est un petit détail. La musique est énormément forte dans mes oreilles en ce moment. Ah, magnifique. Vous savez pas à quel point on a passé proche d'être dans une situation très triste avec... Hey, non, 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 non. Juste parce que t'essayes de me tuer pendant que je parle, mon cher, tu mérites de mourir. Bref, parce que mon disque dur externe... What the fuck? J'étais pas au courant que mon bouton pour aller vite était... J'avais aucun... Je suis tellement perdu de qu'est-ce qui vient de se passer, mais bref. J'ai un bouton pour accélérer, ça a de l'air, j'étais pas au courant. C'est parce que je joue beaucoup à Monster Hunter DOS en ce moment, et le bouton pour courir est le R2. Normalement, sur PSP, il y a pas de R2, fait que c'est le R que tu utilises, mais c'est la même manette que j'utilise pour les deux jeux. Et disons que pour courir, ça me fait accélérer. Ça me fait accélérer. Mais ça me fait courir dans un sens, mais ça me fait accélérer un petit peu trop. Et c'est ce que j'appellerais tricher. Mais en fait, c'est pas tellement tricher. C'est plus que ça me compliquerait la vie énormément. Va falloir que j'enlève ça si ça va tellement me nuire. Là. Je garantis que je vais me faire frapper à cause de ça, moi, éventuellement. J'ai quasiment le goût de l'utiliser ici. Ok, gars. Ça vous... Qu'est-ce qui se passe là? Excellent. Désolé, c'est trop magnifique. Je m'attendais pas à utiliser ça. Excusez-moi, je triche. J'utilise des choses que je ne devrais pas faire, mais techniquement, je vais utiliser mes rations, j'aurais dû les utiliser avant. Je sais plus qu'est-ce que je disais avant. Oh oui, on a failli perdre pour toujours. J'ai failli perdre pour toujours mes saves parce qu'en ce moment, j'ai mon disque dur externe qui est vieux, très vieux, ok? Je l'utilisais depuis toujours. Je l'utilisais pour la première fois pour mettre le plus de jeux que je pouvais sur PS3. Après ça, il est passé sur Wii U. Ah, merci, c'est exactement ici que je voulais que tu sois, mon cher. Puis après ça, je l'ai utilisé pour PS4. Après ça, je l'ai utilisé pour mon PC. Et ça vient de bugger, ça qui me fait dire quelque chose à loader. Et je ne sais point quoi à loader. Et éventuellement, je l'ai utilisé pour tout ce qui est rétro. C'est-à-dire, puis toutes mes saves, en fait, de PS3, de Wii U, PS3 à... tout en descendant, sont sur ce disque dur-là externe, incluant ce save qu'on utilise en ce moment-là. Et j'en ai présentement un autre qui est en cours de route, mais bref. Disons que je l'ai sauvé pour l'instant, mais il est sur respirateur artificiel. Donc, si jamais on plante pendant cette vidéo, ben vous le saurez pas parce que cette vidéo-là ne sera pas uploadée, fait qu'on n'a pas planté. Mais à moins qu'on plante à la fin de la vidéo. Dans ce cas-là, ça va être uploadé quand même. Mais j'espère que ça arrivera pas. J'espère qu'on perdra pas tout mon travail acharné. Parce que honnêtement, j'ai beaucoup de saves dessus. C'est pas juste cette série-là que je perds, c'est toute ma vie. Ok, peut-être pas à ce point-là. Exagération. Mais chut, faut pas en parler de l'exagération, ok? On n'en fait jamais ici. Mais il faut pas que je... C'est ça, pour ça. J'espère qu'il va toffer jusqu'à temps que je reçoive mon nouveau disque dur externe et que je vais être capable de tout transférer parce que ça, c'est un autre problème. OK, j'ai aucune idée. Pour être franc, là, j'ai utilisé le logiciel... Ben, on s'en fout un peu du logiciel que j'ai... Je fais pas de la promotion ici. On s'en fout du logiciel que j'ai utilisé pour fixer et regarder tous mes secteurs et tout sur mon disque dur externe. Bref, je sais pas comment que je fais pour l'utiliser encore. Honnêtement, il est tellement vieux... usé, c'est comme, imaginez les vieux, ben des CD, un vieux CD que vous avez, regardez les graphines qu'il y a dessus, puis imaginez que mon disque dur, c'est un CD tout graffiné au complet, mais qui fonctionne encore, c'est pas mal ça. Je sais pas pourquoi je tue eux autres, c'est peut-être parce que je suis trop concentré à ma discussion de disque dur externe, je suis vraiment pas prudent, honnêtement, je me trouve vraiment pas prudent. Oh! En parlant de ne pas être prudent. Bonjour, Giadrome. Tu ressembles tellement au Gia pré-normal, mais
Gars, juste assez. T'es correct, ok? Mais ça m'étonne qu'on n'ait pas... En fait, ça m'étonne pas qu'on n'ait pas réussi cette... Non, non, non. Là, juste à cause des... C'est tellement pas une bonne place pour ça. Non, what the... What? Non, non. Ça... Regardez, il faut que j'enlève les boutons, ok? Je pense que je vais faire ça tout de suite. Je vous reviens quand je vais avoir fixé mes shortcuts. 3, 2... Ah! J'ai dit 3, 2, 1! Je suis même pas capable de suivre mes propres instructions. Parce que normalement, quand je reviens, je fais un 3, 2, 1 pour me donner un genre de cue quand j'édite mes vidéos. Sauf que là, je me suis même pas écouté moi-même. God damn it. Excellent. Excellent. J'ai pas changé vraiment les contrôles, mais j'ai juste désactivé... j'ai rendu ça plus compliqué, mais me connaissant en ce moment, je vais me nuire, je pense. Non, par pitié, arrêtez de me courir après. Je vais lancer un marqueur pour savoir il va être où quand que je vais avoir fui comme un lâche. Oh, je pense qu'il change de zone. Il est en train de mourir. Quand il change de zone, il se heal. De jaune, oui. De zone, il se heal. Et ça veut dire qu'il est à veille de mourir. Fait que c'est bien, c'est très bien. Mais il faut qu'il garoche une boule de glace par pitié, Giadrome. Ok, sauter dans le mur invisible, c'est correct aussi. Ta plus grande faiblesse, mon cher, c'est juste de... Ah! Crier comme une petite fille. Non, mais c'est de tourner en rond. Sa plus grande faiblesse. Et juste de faire... Boop! Ah, ben... Timing impeccable, comme qu'on dit. Boop! Faut que j'arrête de me tourner. Ok, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez avec... Je suis trop... hyperactif quand je fais des vidéos, ça va pas de bon sens. Dans le sens que, quand je parle, je bouge ma tête de gauche à droite, je regarde des endroits, je fais comme... Je sais pas pourquoi, faudrait que je remette ma caméra. On dirait que je suis encore plus crinqué de ce temps-ci. Je sais pas pourquoi. J'étais fatigué l'autre semaine, maintenant cette semaine, je suis plus fatigué. Et savez-vous qu'est-ce que j'ai fait pour ne plus être fatigué? C'est juste la semaine passée, j'utilisais... J'étais comme... C'est un cercle vicieux. Quand tu prends du café, ça te booste le temps que t'as le café, mais ça te rend dépendant et... Dans le fond, t'es fatigué aussitôt que t'en as pas dans le corps, on dirait. Fait que c'est un petit peu à ça. Cette semaine, je prends pas de café et je suis en feu! Fait que c'est ça. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus, je pense. C'est peut-être faux, qu'est-ce que je dis, mais pour moi, ça fonctionne. Donc, ce soit un effet placebo ou pas. En God damn it! C'était supposément plus compliqué. Et je n'utilise totalement pas PPSPP pour faire ça, voyons là. Mais non, mais honnêtement... utiliser PPS, tant qu'à moi, c'est mieux qu'utiliser la PSP. À moins que vous voulez être... comme la Switch, tu sais, vous voulez vous déplacer en jouant. Même principe. Mais si vous voulez juste un ordinateur et que vous voulez pas de fil, parce que utiliser... Tu sais, je voudrais bien utiliser ma PSP pour enregistrer, mais c'est tellement de la merde. Autant utiliser PPS, PP, ça va bien mieux. Bref, c'est ça qui est ça, je pense, pour cette quête. On a réussi sans se faire toucher. Spammant mes boutons que je devrais pas utiliser, puis faut croire, gars, savez-vous quoi? On va vivre avec, ok? Si je les accroche, on les accroche, puis c'est un challenge de plus. Bref, je vous en rejoins à la prochaine quête que j'ai aucune idée c'est quoi. Ouh, magazine info est arrivé! Oh, attendez une seconde. Ok, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je m'excuse, c'est techniquement pas dans la vidéo. Ah, mais maintenant que je dis ça, ça va être dans la vidéo. God damn it, moi! Moi du futur, par pitié! Par pitié! Ok, on s'en va faire un Bulldrome. Je sais vraiment pas quel quête faire, en fait. Je suis pas décidé. C'est parce que je pourrais me... Ben, je peux pas me faire la fusarbalète de Giadrome pour l'instant, mais pas si compliqué à faire, mais... Il faudrait qu'on fasse... God damn it. Je me trompe de bouton, ça n'a aucun bon sens. Je blâme Monster Hunter DOS parce que... Ok, je vais me répéter souvent, ok? Je m'excuse d'avance, là, mais dans DOS, le rond, c'est pour confirmer le X pour canceller parce que c'est japonais, fait qu'il inverse. Et dans Monster Hunter Freedom Unite, évidemment, ben, c'est le X pour confirmer et le rond pour canceller. Donc, c'est de 1. Et c'est ça, ok? Puis l'autre grosse chose différente, c'est qu'on attaque avec l'analogue droit normalement. Et il n'y a pas d'analogue droit dans Monster Hunter Freedom Unite, évidemment. C'est sûrement pour ça qu'ils ont changé leur control scheme. Fait que là, on s'en va faire un Bulldrome. Comme je disais, on peut peut-être se faire la fusarbalète de Giadrome, mais je ne sais pas si ça vaut la peine, parce que je pense qu'il faudrait en faire deux. Si on n'est pas chanceux, trois. Si on est chanceux, un. Si on n'est pas chanceux, trois. Si on est normal, deux.
Fait que c'est ça qui est ça. Fait que j'ai décidé d'aller faire un bulldrome parce que j'imagine que c'est une quête clé, j'en ai aucune idée. Le pire, là, c'est que je vous mens en ce moment, ok? Quête clé, je suis supposé les savoir. J'ai la feuille littéralement devant moi. Savez-vous quoi? Attendez une seconde. Donc, les deux étoiles, il faut que je fasse Liver of Legend, Reckless Bulldrome. Bon, voilà, c'est une quête clé. Parce que, évidemment, je suis supposé le savoir à cause de, si vous avez écouté le Shuffler ou la semaine passée, vous savez que je suis supposé être en train de me préparer à une speedrun de Monster Hunter Freedom Unite. Fait que je devrais le savoir plus que ça. Quête clé. Mais bref, comme d'habitude, ça va être une catastrophe. Mais j'apprécie toujours être dans une catastrophe parce que je suis sadou avec moi-même. Oh, attendez une seconde. Non, j'utilise pas mon speed. Ok, j'ai utilisé l'accélérateur un petit peu trop en ville et je me suis fait beaucoup de plaisir. Bon, des antécas, ça serait bien les dépasser. Faudrait vraiment que je prenne plus de ressources dans les maps. Sauf que vous savez pas à quel point je me fais... Aujourd'hui, là, c'est parce que je me fais aucunement confiance. Je me dis, je vais aller chercher plein de minerais, plein de stuff pour me crafter des affaires, puis je vais me faire toucher au bulldrome. Fait que techniquement, il faudrait que je prenne la dernière minute pour tout crafter. Et où est-ce qu'il commence notre cher bulldrome? Ah, mais il y a une scène! Non, fait qu'il devrait commencer à 7. Ah, attendez une seconde, faut que je me note ça. Si c'est à 7, faut que je me note la scène. Est-ce qu'il y a une scène? Monsieur bulldrome, il y a une scène, ok. Attends une minute. Il commence à la zone 7, noté. Voilà, ça va me servir pour la speedrun, ok? À place de faire le stupide, vous me voyez... Live, pas live, mais c'est une vidéo, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Regardez cette magnifique bête. Justement, je n'ai chassé beaucoup de bulldrome dans Monster Hunter 2. Ok, il faut que j'arrête de parler de Monster Hunter 2. Parce qu'en mon étant libre, je joue à celle-là, ok? Et c'est ça qui a fait planter un petit peu qui m'a fait réaliser que mon disque dur externe était brisé. Et c'est quand même triste. Mais au moins... Oh my god, arrête de me viser, s'il te plaît. Oh, succès quand même! Je pourrais utiliser d'autres munitions que les normales level 2, sauf qu'ils ont tellement pas beaucoup de vie que ça me tente même pas de me forcer. Oh! C'est un fucking... Oh my god! C'est un fucking mur invisible! J'aurais dû... Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Vite, pendant qu'il souffre! Ah, ok. On devrait le paralyser, ok? Parce qu'on va pouvoir le... You, ok, là... Je l'ai perdu de vue pendant un instant. Ah, caméra! Il y a ça aussi, il faut que je me réhabitue aux caméras à chaque fois. Viens-t'en ici, mon beau bulldrome! Oh my god, c'est une souffrance, le poignet. Ah, et pas le poignet, c'est encore plus... Il a essayé de prédire où est-ce que j'allais être, mon cher bulldrome. GG! Vite, vite, reload. Il y a ça aussi qu'il faut que je porte attention, la reload speed. C'est la raison pourquoi j'utilise le light bowgun en... Mais au lieu du heavy bowgun, le heavy bowgun, ça prend des années ranger ton arme, ça prend des années reloader. Mais reloader, c'est pas si pire. Je le savais que mon bouton L ne fonctionne point. Mon bouton L! Oh my god, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Mon bouton L ne veut pas fonctionner. Et c'est comme ça que je ressente la caméra généralement quand je suis du bon bord et ça n'a pas voulu fonctionner. Je pensais avoir réparé ma manette en la frappant sur le comptoir. Faut croire que non. Ah, je déteste quand tu fais cette attaque-là. Ça... Normalement, je m'en fous un peu, mais là, je m'en fous pas. Ok, c'est le temps. C'est le temps d'utiliser nos munitions explosives pour le faire exploser, parce que logique. Pouh! Ah, c'est pas... Je pensais que c'était des clusters. Ah, déception. On va prendre juste nos normales. J'espère que vous vous rendez compte qu'on vient juste de... Ça a servi complètement à rien que je le paralyse. J'adore y frapper dans les fesses. Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu... sadique envers ses fesses, mais bref. Ah, t'es pas en train de mourir, ça m'étonne. Je sais pas pourquoi. Je pensais que t'allais être en train de mourir, mais... Parce que je sous-estime grandement ta vie, mon cher bulldrome. Mais tiens, des munitions sur les fesses. J'espère que ça te fait plaisir. En fait, ça a été sous sa patte. Ah, il est mort. Finalement, j'ai pas sous-estimé sa vie. Ce qui est bien. Faudrait que j'apprenne à savoir exactement combien de coups qu'il faut que je te tue, mon cher. Pour ma speedrun. Vous voyez comment que je me suis pratiqué à la speedrun. Je me fais plus frapper. En fait, c'est faux. J'avais pas rejoué à Freedom Unite depuis la dernière fois quand j'avais fait une vidéo dessus. Fait que c'est ça. C'est ma pratique en ce moment même. Donc, après ça, je sais pas. C'est quoi nos quêtes clés qu'il faut qu'on fasse? On pourrait faire un code-coup, un congolala ou aller livrer des levers. Donc, oh, faut que j'aille chercher des matériaux. Stupide de moi. Il n'y a pas de matériaux intéressants. Ben, je peux prendre de l'herbe. Si on est chanceux, on va avoir des mountain herbs. Puis ils vont me donner de l'herbe sommeil. Peut-être, je sais pas. Non, je pense pas que ça va être utile. Mais. oui, herbe de montagne, c'est ça. Hey, je suis en français. J'étais-tu en français autrefois? Je suis perdu.
On est, c'est quoi, c'est en, dans certains, on est en français, dans d'autres, on est en anglais. Moi, je suis tout perdu. Je comprends plus rien, je sais plus parler, je parle le langage. Mais en tout cas, bon, de l'argent, c'est ça que je voulais dire par herbe de montagne. Ça me donnait de l'argent ou des points. Bref, les deux, c'est bon. Peu importe, je veux de l'argent et des points. Fait que j'espère que c'est ça que ça va me donner. Et ça va me permettre... On pourrait techniquement faire... Chut, il se passe rien, ok? J'ai découvert le bouton de l'impureté et je deviens impur très vite. Tête de Bulfango, c'est pas supposé être rare, ça, à avoir. Quoi que ça me... Je pourrais me faire la tête de Bulfango. Oh, attendez, une... j'espère. Si je peux m'en faire, je vais l'avoir dans la prochaine quête, je vous le jure. La tête de Bulfango, peu importe qu'est-ce que ça me donne. Et bref, tiens, regardez, on skip tout. Ok, peut-être que je devrais pas skipper. On va arrêter d'abuser du bouton d'accélérateur, surtout pour le sauvegarder. On sait jamais qu'est-ce qu'il peut faire corrompre notre... En plus que c'est sur mon disque dur externe très louche. Donc bref, je vous rejoins à la prochaine quête. Oh, un chat! J'abuse pas du bouton accéléré. God damn it. Je vais l'avoir. Oui, je l'ai eu. Ah non, je l'ai pas pêché. Ok, je suis revenu et on va faire une quête plate parce que je suis trop pauvre pour prendre les autres quêtes. C'est-à-dire, on va faire les Lever of Legend. Et j'ai peur, par contre, dans cette quête-là, pour me faire frapper. Je pense qu'on va utiliser les Sonic Boom pour sortir les Céphalos de leur trou. Et on va espérer qu'ils viennent pas... C'est parce qu'ils nagent partout, puis c'est facile qu'ils te foncent dedans, puis tu t'en attends pas. Ah! Je me suis trompé de bouton encore une fois. God damn it! Au nombre de fois que je l'utilise en ville, je devrais le savoir qu'il faut pas que je paye sur ce bouton-là. On va tout prendre parce que je pense que je vais avoir besoin de vendre des affaires. Et, mais il y a aussi le fait que j'ai maintenant la tête de Bulfango. Ça m'aide en absolument rien. Je sais pas pourquoi je viens de prendre tous ces items-là inutiles. Plus de place dans mon inventaire. God damn it. Oh, c'est pris que je suis perdu. Ok. On va aller dans les objets. On va enlever les affaires que j'ai pas de besoin. Ah, j'ai pas enlevé mes affaires de la dernière fois! En fait, j'ai pas enlevé mes affaires que j'ai pris dans la ferme. Oups! On n'a pas besoin de vraiment... on a de le besoin parce que ça donne de l'argent, peut-être. Où est mon premier soin? Il est là, mon premier soin. Abandonner les premiers soins. Merci, mini-guisoire. Abandonnons ça. Pas besoin de ça. Et c'est quoi que je voulais prendre? La map. Hein? Tout ça pour la map. J'en ai pas vraiment de besoin. Petit détail, ok, on va prendre notre ration. On va équiper nos munitions au niveau normal level 2 parce que c'est eux qui coûtent. Ben, les normales 1, ils coûtent rien, mais les normales niveau 2 coûtent pratiquement rien. Et utiliser les paras m'ont coûté une fortune. Pas tant que ça, mais c'est parce que je suis pauvre, ok. Mon masque m'a coûté plus une fortune, mais regardez comment c'est magnifique, ok. Santé plus 20, totalement la peine, vu qu'on peut même pas se faire frapper, ça vaut la peine, ok. Donc, Sonic Boom, on va essayer de faire un 2 pour 1, mais je pense que je serai pas capable. Il y en a 2, mais il est supposé en avoir 3 par zone, non? Ouh, c'est dans mon centre d'os qu'il y en a 3 par zone. Non! Non! Voulez-vous me dire pourquoi ça m'a pas frappé? Est-ce un céphadrome aussi nul que ça? J'assume que oui. Il est où l'autre, au juste? C'est une très bonne question, hein? Où est le... Ah, oh, il est là-bas. Oh non. Ce n'est pas un bon angle. Chat... Oh oui! On a bonbon, notre nouveau chat aussi. Oh my god! Je suis fucking chanceux! Ok, honnêtement, je mérite totalement pas d'être encore dans Monster Freedom Unite en ce moment. Mais savez-vous quoi? Le jeu me donne une chance. 2 pour 1! Magnifique. Fait que je prends cette chance... Comme un... Oh non, il lance des fucking bombes! J'avais oublié pendant un instant. Les chats peuvent me massacrer. Ok, faites la même attaque. C'est pas la même attaque, ça, mais je vais l'accepter quand même. Bonbon, tu tires pas à bonne place, puis tu n'es point un bonbon. Là, mon problème, c'est que je vais en tuer un. L'autre va me regarder, puis va me cracher dessus pendant que je dépece. Probablement, ce qui n'est pas bien. Non, il s'en va! Les deux s'en vont, vous avez pas le droit. Ah, il y en a un plus stupide que l'autre. Ce qui est... Ok. Considérant qu'il est là-bas, je pense pas qu'il va s'en venir ici, mais il peut... Bonbon! Excusez-moi. Excusez-moi d'avoir étouffé. Mais en disant bonbon, je me suis étouffé, ok? Il est pas tant un bonbon que ça. En ce moment, il me nuit plus qu'autre chose. C'était stupide. Peut-être qu'il faudrait que j'apprenne vraiment à visser sans... J'aime de gaspiller toutes mes... C'est avec très, très... douloureux cette quête, j'ai l'impression. Ah, j'ai plus de Sonic Boom, j'ai plus rien. Plus rien, bonbon. Bonbon, va les tuer, s'il te plaît. Ok, toi, tu vas t'arrêter là. Fais un sploosh.
c'est pas faire un splash, c'est juste changer de direction. Toi, arrête-toi, OK, à ton prochain tournant, arrête par pitié. Yes! Puis maintenant, regarde, je suis un bulfango avec un arbalète, un gun. Oh, je l'ai eu! Oh my god, je m'attendais tellement pas à l'avoir! Il est mort en plus! Succès! OK, là, le problème, c'est que... Ah non, l'autre, il est assez loin, on est correct. Ah, mais il s'est arrêté là-bas, croc de nageur. Peux-tu me donner quelque chose de bon, c'est-à-dire le... C'est quoi en français? Attends, il s'est retourné là-bas de bord, hein? Fait qu'il va s'arrêter. Il tourne bien bizarrement. C'est quoi votre pathing ici, mes chers? Il va s'arrêter. OK, le prochain tournant, il s'arrête, je pense. Logique, si mes souvenirs sont bons, il s'arrête là. Exact. Fait que là, regarde-moi, mon cher. Non, fais pas cette attaque-là de merde! Regarde-moi. Oui, oui, bonne attaque, mon cher. Là, je te juge positivement. Continue de même. Oh, en plus, il va avoir une bombe dessus toi. Oh, bonbon! Enfin, tu fais quelque chose et moi, je tire dans le vide pendant... Non, viens pas me porter cette bombe-là, par pitié. You son of a bitch. Est-ce que je l'avais frappé, lui? C'était-tu le premier que j'avais frappé? J'ai vu... En passant, j'ai vu le Céphalos qui s'en vient à gauche. Mais on a encore du temps pour le frapper, je pense. Oh, il est mort, good. Est-ce qu'il s'en vient ici? Est-ce que tu t'en viens ici? OK, tu sautes là-bas. Oh non, mais ça veut juste dire qu'il m'a vu. OK, non, il s'en va. Écaille Céphalos, on s'en fout de l'écaille Céphalos. Ah! OK, c'est correct. On était à la bonne place. Donc, t'as sauté là-bas, tu vas t'arrêter ici. La logique dit que tu... Oh, il s'arrête pas ici. Prochain tournant, il s'arrête par contre. Ça, c'est sûr à 100%. Merci, mais je suis trop loin. Non, je suis là, regarde, je suis pas trop loin. Ouh, peut-être que oui, finalement. Ah. Sauf quoi, on va recharger ma fusée arbalète et on va espérer. Oh god, ça va être long. Foi de nageoire, de nageur. Mais en français, c'est pas les intestins. En anglais, je veux dire les intestins. Ce n'est pas le foie. Mais gars, savez-vous quoi? Peu importe. Ça ne fait aucune différence. Donc, s'il te plaît, regarde-moi, vise-moi. Au sort, OK. Je sais pas si c'est bien. Hein, je vais te tirer dessus pour faire « Hey, j'existe, ne retourne pas. » Oh my god, j'ai vu l'autre céphalos qui est passé proche de moi. On est parti pour une demi-heure de quête en passant, je pense. J'avais une histoire pour vous, je l'ai oublié, c'est ça le problème. Sûrement plein d'histoires. Ah oui! Une histoire avec... avec le gouvernement. C'est toujours plaisant de faire affaire avec le gouvernement du Québec, voyons. Mais c'est parce que... j'ai rempli un formulaire en octobre, début octobre, pour me faire rembourser du déplacement, OK? Donc, et maintenant, aujourd'hui, en tout cas, bref, le 7 janvier, ce n'est pas aujourd'hui. Ou c'est aujourd'hui? Bref, peu importe. Quand vous allez voir cette vidéo-là, ça sera pas aujourd'hui pour vous, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais bref, j'ai reçu un autre formulaire à remplir pour la même fucking affaire. Faut que je remplisse un formulaire après avoir rempli un formulaire. Et j'ai littéralement 5 jours pour le remplir et le renvoyer et qu'ils le reçoivent dans ma ville où est-ce que j'ai reçu leur formulaire techniquement 2 semaines après qu'ils me l'aient envoyé. Donc, j'ai comme l'impression qu'ils font tout en leur possible pour, justement, pas me rembourser. Je sais pas pourquoi, hein? Mais j'aimerais ça pouvoir faire pareil comme le gouvernement, moi. Tu sais, imaginez, je m'en vais, vous allez vous prendre de l'essence, puis là, vous arrivez au commis, puis là, vous dites, « Regarde, je te dois 40$, OK? Remplis ce formulaire-là, renvoie-moi-le par la poste. Après ça, je vais te renvoyer, je sais pas trop quand, un autre formulaire, pour que tu m'envoies un chèque annulé, pour que je puisse t'envoyer le 40$ dans ton compte. Puis si tu oses ne pas remplir ces formulaires-là avant la date que j'ai décidée, ben, je te le donnerai pas le 40$. Imaginez comment ça serait plaisant. En fait, ce serait de la merde, mais c'est comme ça que ça fonctionne au gouvernement, et c'est toujours plaisant. Bref, c'était mon moment de rage pendant que les céphalos tournaient en rond. Contre le système. Rage against the machine. Mais je pense que Rage against the machine ne rage plus tant que ça après la machine. On va dire ça de même. Moi, je rage toujours après les céphalos, par contre, mais je ne rage jamais après les kazoos. C'est pour ça qu'il faut rejoindre la secte. Ce n'est pas une secte, c'est juste... Comment dire ça? Sans bullshiter trop. Bref. Vive Kazoo! C'est ça que je veux dire. Venez ici, mon cher. Je sais qu'il y a un autre céphalos. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, l'autre céphalos. Mais ça m'intéresse pas, OK? En fait, ça devrait m'intéresser parce qu'il peut arriver dans mon dos puis me lancer du sable ou juste me foncer dedans. Et me foncer dedans, moi, je n'aime point ça. Je pensais que pendant un instant qu'il me restait plus de munitions level 2 parce que...
parce que je suis stupide, j'imagine. Je sais pas. J'ai vu qu'il me manquait deux munitions là. Hey, par pitié, donnez-moi juste les fois. J'en ai même pas un, hein. J'ai pas porté attention dans les dernières secondes, mais non, non, non. Oh, j'ai un minerai, ma chérie. Ah oui, j'ai eu ça là-dedans. Mais bref, peu importe. Ah, cette quête-là est magnifique. Vous ne trouvez pas. Et je vois. C'est pas vrai que je vais skipper rien parce que il faut que vous voyez tout. Parce que si je me fais frapper, je pourrais tricher en éditant la vidéo. Mais je ne ferai point ça. En fait, qu'est-ce qui m'assure que je ne tricherai pas, c'est que la seule personne que ça dérangerait, que si je trichais, c'est moi-même. Ça me grugerait la nuit. Je serais plus capable de dormir. Je ferais, oh non, t'as triché. Pourquoi t'as fait ça? Super, oh, you son of a... finalement, la seule personne que ça grugerait de tricher, aucune personne, voyons donc. Et je ne triche totalement pas. Éditons la vidéo, je me suis pas fait frapper. Non, c'est pas vrai. Ok, bon, c'est correct. Il fallait que je joue avec l'accélérateur, ok? Savez quoi? On va encore plus jouer avec l'accélérateur. Tant qu'à tricher, on va tricher en ce moment. Tiens, oh, avez-vous rêvé de courir, épuisé? Eh bien, c'est ça qui se passe en ce moment. Voilà, la fin. La fin. Ok, je suis en train de juste rager against the wall. Bref, on va décider du prochain jeu. C'est-à-dire, là, on peut avoir Monster Hunter For You. Je l'ai configuré, on est correct. Donc, il y a Monster Hunter Freedom qu'on n'a pas fait. For You et Monster Hunter Generation Ultimate. Donc, ok, Google. Choisis un chiffre entre 1 et 3. J'ai pas sauvegardé. 1. Fait que Monster Hunter Freedom, ça veut quoi? Ah! Ah! Mais on va y aller tout de suite. On va aller se faire frapper tout de suite dans Monster Hunter Freedom. Ah, faut que je me sauvegarde. Bonjour! On a encore le speed! C'est magnifique! Donc, retournons dans la quête de Vélocidron, mais espérons la compléter cette fois-ci. Sauf que Monster Hunter Freedom, c'est le pire. Google a pas dit fort le 1, mais c'était... God damn it! Je commence à me tromper de bouton. Oh, j'ai juste des binoculars, c'est-tu pas parfait? Ah, regardez-moi les beaux... Ah, la belle texture! Comment on fait pour zoomer? Ah, comme ça. Parfait. Magnifique. C'est excellent. Comment je fais pour enlever mes binoculars? Comme ça, j'assume. Ah! Je me suis penché. What? Je comprends plus qu'est-ce que je fais, ok? Oh! Des flash booms, ça va me servir pour notre ami qui est là-bas. Comment j'ai fait pour mourir à notre cher ami? Vélocidrome, deux fois et sinon, c'est notre troisième fois qu'on la recommence, cette quête. Facile pourtant. Non, ok, c'est Monster Hunter Freedom. Tout est difficile dans Monster Hunter Freedom. Même le début. Fait que, à place de rire de moi-même, on a des normales level 2 que je vais utiliser. Même si on a encore moins d'argent dans Monster Hunter Freedom que dans Monster Hunter Freedom Unite. Mais bref. Ah, regardez-moi ça, les... Je pense qu'on a déjà regardé les Aptonoff au loin. Mais... Ok, ça me manquait. En fait, cette musique-là qu'on entend en ce moment-là, c'est une des rares musiques qui, à chaque fois que je l'entends, me fait sentir nostalgique. Mais c'est parce que j'entends tout le temps les vieilles musiques. On s'entend... je suis tout le temps en train de jouer à des jeux rétro ou des jeux récents. Je suis tout le temps en train de gamer, c'est ça, faut en conclure. Mais j'aimerais bien ça être tout le temps en train de gamer, mais non, je suis pas tout le temps en train de gamer, malheureusement. Mais bref. La zone 10, ok, c'est une... Le petit bruit que ça fait, le... Ah! 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 Flash boom! Ah! Ok, excusez. Je suis distrait, encore une fois. Je ne sais pas s'il y a un... Non, il n'y a pas de Vélocipré en arrière de nous, ce qui est bien. Je sais que les Vélocipré sont vraiment longtemps étourdis. Le Vélostrome aussi, quand même. Ce qui est quand même bien. Non. J'ai vu... J'étais sûr... Que mon angle était correct, elle l'était pas, ok? Pendant que je visais les autres, oh my god, je joue avec le feu, ça a aucun bon sens. J'étais en mode, si je le fais vite, on sera pas frappé. Mais là, faut que je range. Et flash boom, frappez-moi pas! Ok, il y en a... Oh, je l'ai eu! Je m'attendais pas. Oh, lui non! Ah, par pitié! Merci. Ok, on est correct. Je suis dans ses fesses. Je devrais pas être dans ses fesses, mais gars, c'est quoi? On va vivre avec être dans ses fesses de ce beau Vélocidrome-là. On n'est plus dans ses fesses, là, c'est pas tout planifié. Non, meurs. Reload. Ah non, il peut sauter. Il a été gentil. Il a été très gentil, notre Vélocidrome amical ici. On est dans le changement de zone. Et la raison pourquoi j'aime ça être ici en ce moment, c'est parce que ça peut me sauver la vie.
Ou ça peut me... Ben, je pense pas que ça va me nuire, en fait. Ça va plus me sauver la vie qu'autre chose. Ah, 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 il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Et là, il faut que j'attende un peu qu'il change... parce que je me rappelle m'être fait massacrer par un vélocidrome beaucoup de fois dans le changement de zone. Le problème, c'est qu'il peut rester là longtemps. Il peut faire genre son animation de « Je regarde le vide ». Ah non, il est parti. Merci, vélocidrome. Sauf dans cette zone-là, on a un gros problème. Il y a infini de vélocipré. Et c'est un très gros problème. Il y en a deux. C'est un très gros problème quand les vélocipres sont des experts snipers dans Monster Hunter Freedom, ok? Et je pense que le Jihad Pré est pire. Je pense qu'ils ont comme des skills level. Dans le fond, un vélocipré est poche pour te sniper. Un Gen Pré est meilleur qu'un vélocipré. Et un IA Pré est un expert sniper professionnel qui gagne sa vie en faisant juste du snipage. Je m'en vais d'ici. Ok, désolé. Oh my god! Oh, c'est 30 ans, mais non. Mais ils sont tous des experts, mais le IAPRI, c'est le pire. Le JAPRI, je le sais pas. Je serais pas prêt à le dire. Savez-vous quoi? On va attendre qu'il revienne parce qu'il s'en va pas à 6, il s'en va pas à 1, mais il va revenir ici. Donc on va l'attendre avec impatience. Il va avoir rempli sa vie, mais pas assez pour que ça fasse une différence, je pense. Donc, comment a été votre journée aujourd'hui, vous autres? J'espère que ça a bien été. Moi, ça a très bien été. En fait, loin d'être fini, mais c'est pas grave. Il me semble qu'on était souvent des femmes jusqu'à présent dans les Get Good. Et aujourd'hui, on est un homme. On a commencé mais dans Freedom, puis Freedom Unite, on est des hommes, je pense. J'ai-tu entendu un « oui, oui » J'ai vu un vélocipré là-bas faire ça. Mais bref, d'après mes anciennes expériences, je sais pas si c'est juste... Tu sais, mon affaire de sniper, là, je sais pas si c'était vrai, qu'est-ce que je disais ou pas, ok? C'est d'après mon expérience. Et mon expérience, ben, j'ai quand même joué beaucoup au Monster Hunter, mais ça veut pas dire que c'est nécessairement véridique. Mais c'est le feeling que j'avais, ok? J'ai vraiment l'impression qu'il y a pris. Et c'est ce feeling-là que j'ai eu en faisant des missions, où est-ce qu'on livre des œufs. Et il y a une certaine mission, ok? Le Gypseros. C'est le pire bitch au monde, ok? Pas parce qu'il est dur, lui. C'est parce qu'il est dans les marais. Sa mission, sa quête est dans les marais. Et dans les marais, eh bien, il y a des millions de Bulfango, des millions de Yopri, des millions de Vespoid. Bref, un paradis sur Terre, qu'on pourrait dire. Et le Gypseros a tendance à courir partout. Pendant que toi, tu te fais sauter dessus par des millions d'Yopri qui reviennent à l'infini. En passant, j'ai 69 de munitions normales 2. Je l'avais pas vu jusqu'à présent. Qui suis-je? Et j'ai hâte que le... J'aurais dû le marquer. On a-tu un marqueur? Shit, j'ai pas pris de marqueur. Bref. Oh! 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 Finalement! On attendait après toi, mon... T'es une star, mon cher Vélocidrome. Tu le savais pas? Maintenant, tu le sais. Ha! Bitch, ça a valu la peine d'attendre, hein? C'est sûr que je me serais fait frapper dans l'autre zone. Maintenant, on va essayer de dépasser ton cadavre qui est dans le changement de zone. Ah, pas totalement, mais il est proche du changement de zone. Vélocipré Hyde, merci de me donner des affaires qui n'ont pas rapport avec toi, mon cher. Ben, techniquement, ça a rapport avec lui, parce que Vélocidrome, là... Hey, mais je pense à ça, dans ma tête, moi, j'étais en train de commencer une nouvelle vidéo, mais c'est à la suite de Monster Hunter Freedom Unite. Il va falloir que je finisse cette vidéo-là. Est-ce qu'on peut être rendu loin? Huskberry, ça vaut totalement pas la peine. Mais ça vous, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Courir vers l'arbre là-bas. Bonjour. Je pense que c'est de l'herbe qu'il y a là. Ça ne sert à rien d'avoir de l'herbe. C'est Huskberry aussi. God damn it. Il n'y a rien de bon. En fait, je peux aller chercher peut-être des champignons. Et en passant, ça l'accélère tout, y compris le timer de fin ça en ce moment. Fait on va sûrement finir la quête ici. Code Scale. Ça peut se vendre pour bien. Ça, c'est bien. Quête complète et shit. Juste avant. Moi, j'essayais d'avoir des special mushrooms parce que ça me donne de l'argent. C'était ça mon plan, mais... Bref, ça n'a pas bien fonctionné. Bref, en espérant que je puisse garder mes saves et les transférer sur mon nouveau disque dur d'ici la prochaine fois qu'on va se voir ou s'écouter. Mais je pense que je vais vous dire merci d'avoir regardé. Et on s'en va à la prochaine vidéo. Convainc encore le Monster Hunter Freedom. Magnifique, ça faisait quand même du progrès. Tant qu'on fait du progrès, je suis content. Donc, bye bye!